aujourd'hui c'est journée Cultura, alors je me débarrasse de tout ça et let's go. Allez, en avant-première, je vous dis que Cricut chez Cultura lance une opération tout à 5€. Donc à partir de lundi, vous aurez des bacs comme ça, Cricut, où vous aurez des rouleaux de thermocollants, etc. Là c'est du vinyle un peu perlescent qui est superbe, donc à 5€. Donc il y aura des bacs un peu dispersés, surtout au rayon Cultura, où vous aurez des tonnes de produits à 5€ dans ces petites, même grosses boîtes de chez Cricut. Mais donc c'est une opération spéciale Cultura. J'en profite aussi pour vous montrer donc mon petit montage du stand chez Cultura, où après je fais mes animations. Voilà, avec quelques créations. J'aime bien la coque du téléphone comme ça. Vous pouvez faire plein de choses. Le petit tote bag spécial festival, etc. Bonjour les petites fraises. Il y en a plein, il y en a plein. Et non, parlons pas des framboises. On va ramasser tout ça. Et vous voyez, j'ai encore du liseron. C'est une plaie ça. Ça s'entortille. Et ça envahit mes fraisiers. Donc il va falloir que je désherbe encore aujourd'hui. Ça passe même, vous voyez, entre le béton et les trucs en bois là. C'est incroyable quand même ce truc là. Il y a des bébés liserons quand même. Mais il y en a partout. Donc aujourd'hui ça va être aussi session désherbage. Je vais pas vous le filmer. Mais déjà quand on voit tout ce qu'il y a comme liserons. C'est impressionnant. J'ai l'impression de faire que ça. Je ne sais pas vous dans le... chez vous si c'est pareil, mais j'ai l'impression de passer mon temps à désherber et enlever tous ces liserons. Et là, il y en a, en plus, ils sont tout petits. Sont tellement petits qu'elles sont plus compliquées à enlever parce qu'ils s'entortillent dans les fraisiers. Je veux pas arracher mes fraisiers qui sont très voyés ici. J'essaie de les mettre là pour qu'ils se repiquent. Donc je voudrais bien qu'ils se repiquent. Et en fait, je vois qu'il y en a plein d'autres fraises. Donc on va ramasser toutes ces fraises. Déjà, ça fera le dessert du dimanche. Et après, je vais vous montrer également ce que je vais encore désherber. Il y en a partout. Oh, bon, les orangs, c'est impressionnant. Et j'en ai encore, il y a encore des fleurs. Donc, je vais en avoir plein d'autres. C'est cool. Là, j'en ai des vertes. Donc, il y a de quoi encore manger. Super. Hop, j'ai fait peur aux merles. Attends, les cloches de l'église. C'est difficile de faire la différence entre les orangs et les fraises au niveau des tiges. Mais bon, je pense que là c'est bon. Après, je suis tellement maniaque que faut que rien ne dépasse. C'est horrible comme histoire, ça aussi. Alors, j'ai ma fille qui vient de me rejoindre. Tu peux commencer, Mimi, t'as le bol là-bas. Oui. Tu peux commencer à ramasser pendant que moi je vais faire. J'ai pris la chaise, elle est là-bas au cas où. Ah, elle est trop mignonne, elle m'amène la chaise pour que j'aille chercher celles qui sont vraiment inatteignables avec les framboises. Regardez-moi toutes les framboises que j'ai. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que
que je suis un peu en contre-jour, mais j'en ai partout des framboises. Et là, pour les atterrir, c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Et voilà mon hortensia. Alors, j'ai enlevé tout ce qui était sec. Et en fait, il reprend, mais je ne l'ai toujours pas planté, hein, comme vous voyez. Il va vraiment falloir que je trouve une petite place pour le mettre, mais je suis contente parce qu'il est en train de rebourgeonner. Et c'est top. Et du coup, il me reste tout ça à désherber. J'ai désherbé tout ça quand même. Hein. Mais il me reste encore tout ça. Il y a même des artichauts là qu'on voit. Il y en a un ici et un autre de là-bas, au fond. Et du coup, il faut que je désherbe vraiment tout ça. Hein. Donc ça s'enlèvera en tirant, ça s'enlève facilement. Mais après, voilà, j'ai tout le haut, donc le dernier étage. Parce que là, on est au deuxième étage. Parce que le mur est là, quoi. Et il faut que je désherbe tout jusqu'au fond, là-bas. Ici, il faudrait aussi que je m'y attaque également. Et après, derrière, il y a le poulailler qui est envahi. Voilà, parce que les jardiniers n'ont toujours pas taillé les arbres, donc ça m'énerve. Et tant pis, ils ramasseront au moins tout ce que j'ai désherbé. Donc là, ça a bien séché parce que ça fait 15 jours de désherbage ici. Mais voilà quoi, encore du jardin. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le dimanche 9 juin. On a commencé, vous avez loupé la chute du mur. J'aurais pu me faire mal, j'ai eu mal un peu à la cheville quand même. Heureusement, je suis arrivée à bien tomber là où il fallait, mais j'avais peur de me péter la cheville. Et non, je suis en vacances, donc non. Ça m'a fait mal sur le coup, mais j'ai resté quoi, Emilie ? Allez, une minute au sol, hein. Le temps que je me relève, j'ai appuyé sur ma cheville, ça faisait un petit peu mal, mais j'ai pu appuyer dessus, marcher dessus. Là, ça me fait plus mal, donc ça va. De même, peut-être à froid, je vais avoir mal. Je vous montre avant qu'elle mange tout la récolte de ce matin. Voilà. Voilà, parce que là, ça y est, elles arrivent. Comme les abeilles, vous voyez, c'est pareil. Donc, un peu de fraises et de framboises. J'ai pas ramassé toutes les framboises parce que, bah, vu que je m'étais cassé la figure, je dis, je remonte pas. Il va falloir que je remonte pour désherber. Alors, aujourd'hui, on a plein de choses à faire. C'est dimanche, mais. Donc hier j'étais à Cultura, en sachant que chez Cultura à partir de demain lundi 10 juillet, si je ne me trompe pas, que je retrouve pas, j'ai toujours pas fait ma page de juillet, je vais la faire, je vous promets, je la fais. Hier j'ai quand même fait tous mes mensuels et tout ça, donc Cultura c'est fait, et on va faire. Du coup, il faut que je désherbe. Donc, on va faire du jardinage pour changer un peu. On va faire. Il faut que je fasse. Alors, j'ai vu une américaine, c'est Bitadeli, qui a montré hier sa scrap room parce qu'elle a déménagé depuis un petit moment là. Et là, elle a fait le tour de sa scrap room qui est vraiment. Alors, elle n'a pas beaucoup de scrap parce que de base elle faisait du cricket, donc elle a plus du cricket qu'autre chose, donc honnêtement cricket ça prend quand même moins de place, mais elle commence à faire des cartes ou des choses comme ça et on voit que ça commence à grossir au niveau de sa scrap room qui est une grande pièce. Elle a mis des meubles de cuisine et ça c'est pas bête parce qu'elle a fait en fait un plan de travail en L ou là sur le en T, qu'est-ce que je dis, en T, donc là. Le trait du T, c'est tout son plan de travail à elle. Et après, sur les côtés, elle a deux presses. Et de l'autre côté, elle a sa machine, sa brodeuse. Et en fait, au niveau du haut des branches d'été, c'est vraiment des meubles de cuisine. Et elle a les placards qui font les angles avec les trucs qui tournent. Et ça, je me dis, c'est vachement bien pour y mettre. Elle a mis ses machines de découpe. C'est tout ce qu'on ne veut pas trop voir, mais qui soit accessible en tournant, donc ils ne prennent pas beaucoup de place en hauteur, parce que c'est dans les placards. Je trouvais ça super top. Donc à la fois deux, je me suis dit, à travailler quand même.
Bon, du coup, on va faire. J'ai pas fini ma phrase. Donc, demain, lundi 10 juillet, chez Cultura, c'est une opération qui est que chez Cultura. Il y aura des bacs. Alors, je peux vous appeler ça des bacs à tout ou des bacs foire à tout, non, je sais plus comment dire. Donc, des bacs cricket il y aura des rouleaux à 5 euros. Voilà, donc là, dans mon Cultura, elles avaient 5 rouleaux qui se battaient en duel parce qu'elles n'ont pas reçu de chez Cricut les rouleaux. Mais faites attention, demain, ça, il va y avoir une méga promo avec des rouleaux de thermocollant de vinyle. Oui, c'est tout. À 5 euros au lieu de 16 ou 19 euros. Donc, parce qu'il y aura du smart aussi. Donc, pour celles qui font des Cricut, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire. Qu'est-ce que je vais faire comme tuto? Ah oui, j'ai pris. Je vais faire un tuto avec les dies, les stitched dies. Parce qu'on m'a souvent posé la question de savoir ce que c'était et qu'est-ce qu'on en faisait. Du coup, j'ai pris tout ce qu'il fallait chez Cultura et je vais. Et j'ai du fil à broder aussi, donc je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Donc je vais faire quelque chose sur ça. Je vais faire un petit peu de Procreate, mais bon, j'ai toute la semaine pour faire du Procreate et de l'Artisanat Academy. Là, je suis dans les photos et je vais essayer de faire un live. Je pense que je peux faire un live et où on va déjà finir ça et on papotera. Je vous donnerai un peu des news de tous les codes promo qu'il peut y avoir parce que j'ai beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou autre. Si vous devez acheter quelque chose et que vous voulez savoir s'il y a un code promo, n'hésitez pas à me le dire parce que même pour Cricut, j'ai 10%. Un code promo qui dure toute l'année à 10%. Sur le site Cricut, donc ça aussi si ça vous intéresse n'hésitez pas parce que celui-là je l'utilise tout le temps, il est tout le temps valable, donc voilà pourquoi ne pas faire profiter tout le monde. Ben voilà, j'ai fait ma petite planification. Je vais peut-être commencer à découper, à choisir. Moi, je pense à la nana. Je vais faire une carte ananas avec les stitch dies. Faut que je retrouve mes dies pour ça. Comme ça, je pourrai commencer à faire la vidéo là-dessus. Et puis voilà. Et puis après, il faudra quand même que je désherbe, comme je le disais. Alors là, il ne fait pas très chaud. Il y a un petit vent frais. Donc, c'est le moment idéal pour désherber. Enfin, pour moi en tout cas. Parce qu'après, c'est pas quand il y a le soleil et qu'on transpire et tout ça que je vais le faire. Je vais remettre ma hanche et ma cheville d'abord d'aplomb. Et après, j'irai monter là-bas, les étages, sans me casser la figure cette fois-ci. Ça sera vachement bien. Et c'est déjà pas mal pour un dimanche, je pense. Voilà, donc je vous retrouve. Je vais en profiter pour vous montrer ma routine visage et dentaire. Donc, chez Ringana, on a déjà tout ce qui est oil. Donc ça c'est pour faire un bain de bouche à base d'huile. C'est comme en Ayurveda, en fait ils se lavent les dents avec de l'huile. Alors il y a de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, enfin il y a plein d'huile. Il y a un peu de menthe poivrée je pense comme huile essentielle parce que ça donne une haleine vraiment mentholée. Et après ils ont aussi le dentifrice comme ça et il est super parce que forcément il est sans additif, sans conservateur, sans truc un peu louche, vous voyez. Et c'est un liquide que vous mettez sur votre brosse à dents. Donc ça, c'est le Tooth Balm. Et ça, c'est le Tooth Oil. Donc, si vous souhaitez, il y a ma boutique en ligne, Ringana, en barre d'infos. Et pour celles qui le souhaitent, j'ai des bons d'achat de 20 euros pour 35 euros d'achat minimum. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Et il y en a certains qui sont en promo. Ils font des promotions toutes les semaines à moins 10, voire moins 20% sur leur site. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'était le brossage de dents. Donc, je ne vous ai pas montré comment je me suis brossé les dents. Et pour la peau, d'abord, j'ai utilisé, comme je n'ai pas de source d'eau là, le cleanser.
qui est aussi une crème qui est super agréable. Quand on l'applique, en fait, on a déjà la peau qui est moins tendue. Enfin, c'est vrai, quand on soulève la peau avec un nettoyant lambda, on a la peau qui tire parce qu'elle est encore sèche, alors que là, ben, elle est déjà hydratée. Ça nettoie et ça hydrate déjà en même temps. Ensuite, bon, là, je vais faire devant vous. J'ai du tonique. Alors là, j'ai le pur. Et pour les peaux très très sensibles, il y a le tonique calme. C'est une lotion micellaire, donc avec mes lingettes faites maison. Et du coup, hop, on en met. Et après, ben, on peut déjà. C'est la pseudo, ce qu'on appelle lotion micellaire, nous. Toujours pareil, sans conservateur, sans additif, sans produits chimiques, sans microparticules de plastique. Les contenants, c'est pas du plastique, c'est de la canne à sucre. Donc vraiment, rien n'est plastique. Ensuite, il faut que je me mette l'hydrosérum, donc du sérum. Et avec, je mets le Add Glow, c'est celui qui vous permet d'avoir un aspect un peu plus éclairé. Et d'ailleurs, je vois qu'il est presque à la fin. Et anti-pollution. Donc, disons que ça va vous protéger de la pollution, des rayonnements UV. Bien sûr, il y a de l'antioxydant dedans. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était le principe Airless. Alors, je vais le défaire. Hein. Et voyez, ça fait ça, en fait. Donc déjà, je me rends compte qu'il ne me reste plus beaucoup. Ça fait sortir le produit, mais ça ne fait pas rentrer l'air. Et c'est pour ça qu'ils sont sans conservateur. Et bon, bien sûr, il y a une date limite. Là, c'est jusqu'en octobre 2024. Mais voyez, on le finit bien avant. Et encore, moi, je ne le fais que le matin. Je ne le fais pas le soir. Donc, je mets une noisette du sérum, qui est le même système. Hein. Donc là aussi, je pense qu'il va falloir que j'en ai encore la moitié. Ça va. Et une petite noisette, hop, de Glow. Donc ça, c'est les ads, comme ils appellent, ads on. Et hop, on applique. Donc moi, j'aime bien faire des massages en plus, parce que ben, là, je me fais mon petit soin de peau. En sachant que quand vous commandez chez Ringana, on vous offre un petit bon digital sur... Alors, ça dépend, après, c'est par mois ou par quinzaine, où ils changent après leur bon d'achat. Donc je sais qu'il y a eu un moment où c'était les ads, donc il y avait 20% dessus, donc ça vaut vraiment le coup. Et là c'est le biotique, je crois, c'est pour réensemencer sa flore intestinale, où ils font 20%, donc vous l'avez sur votre facture quand vous recevez vos produits. Il ne faut pas oublier le décolleté. Et une fois que vous avez fait ces deux là, et bien vous passez votre crème. Donc pour la crème, moi je prends la médium. Vous avez la light, medium ou rich. Et il y a aussi l'anti-wrinkle. Donc c'est vraiment en fonction de votre peau, si elle est sèche, si elle est moyennement sèche ou pas du tout sèche, grasse. Là moi je prends le medium. Et si elle est vraiment grasse, il faut prendre du light. Si elle est sèche, vous prenez du... du rich, voilà. Et si vous voulez en plus de l'anti-ride, vous prenez l'anti-wrinkle. Donc là, j'en mets et je repasse sur mes petites couches et je masse, et surtout les yeux. Alors ils ont aussi, je l'utilise pas forcément, ils ont aussi pour les yeux, ils ont le sérum pour les yeux aussi. Et donc faut pas oublier le cou. Mais honnêtement, après, on est super bien hydraté en faisant ça. Ça prend pas longtemps. Là, je prends du temps parce que ben, je parle en même temps. Mais honnêtement, je fais ça le matin. Et c'est mon petit soin à moi, mon petit cocooning du matin. Que vous pouvez faire le soir aussi. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est sévère après quand vous en avez 10, voire 20, voire 30, voire 40. C'est par l'eau de 10. Donc là, j'ai déjà 3. Quand ils seront terminés, je les renverrai à Ringana et ils m'offriront un bon d'achat sur n'importe quel produit, même le plus cher, sur leur boutique. Donc ça, ils sont vraiment à fond dans le recyclage. Donc, vous avez mon lien en barre d'infos pour la boutique. Si vous voulez acheter, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie le code de réduction de 20 euros. Et puis, voilà.
C'est toujours bon à prendre, et puis même pour tester, c'est bien. Et pourquoi pas, si vous voulez devenir partenaire Ringana, je vous accueillerai dans mon équipe et vous allez voir, ça fait des c'est une folie ce truc-là. Il y en a qui sont montés là, ils ont gagné un voyage en Autriche. Bon, c'est pas un voyage de visite, mais c'est pour aller voir justement l'usine en Autriche et tout, et je trouve ça super intéressant. Mais bon, voilà, il faut travailler sur la marque quand même pas mal, moi, ce que je ne fais pas forcément. Voilà, bah, forcément, si on ne travaille pas, on n'a rien. Comme tout. Et voilà, ma fille a été dehors et elle m'a récolté de la menthe. Donc, on va faire une petite boisson à la menthe, pourquoi pas du thé à la menthe, et des jolies hortensias. Donc, ceux-là, je pense que je vais les mettre à sécher pour en faire des bouquets séchés après, parce que ça sèche bien. Et elle en a récupéré pour la voisine parce qu'elle pense toujours au voisin et c'est trop mimi. D'ailleurs, elle s'appelle Émilie et j'appelle Mimi aussi. Voilà, donc là, on va se régaler. J'ai pas de citron, c'est dommage parce que j'aurais fait quelque chose avec des rondelles de citron. Ça aurait été pas mal, mais on va quand même se contenter de ce qu'on a dans le jardin. Ça sent bon les menthes. Ouais, ça sent super bon la menthe. Bon voilà, j'ai déjà préparé mes cartes pour faire les stitching. Mon stitched ties, donc ça j'ai tout préparé, c'est là-bas, et je ferai une petite vidéo aussi dessus, et j'avais oublié, c'était sous ma venture, le colis du Vibrant Summer Mystery Box du mois de juillet, donc de chez Cricut, qui est arrivé la semaine dernière, et que je n'ai pas du tout ouvert, par manque de temps, parce que la curiosité je l'avais quand même. Et je vais donc vous la montrer. On a un super massicot. Alors ces massicots, ils sont super. Alors je regarde un truc. Oh, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Donc c'est un massicot basique. Hein. Hop là. Avec la petite réglette. Alors la petite réglette, l'avantage c'est qu'elle est en centimètres et en inches. Et ici aussi, vous avez les centimètres et les inches. Et vous avez un petit bras pour aller jusqu'à 37 cm, même 38, allez, 30, oui, 38 cm, 15 inches, donc il est vraiment très très long, et il est pas mal parce que du coup, bon déjà, il y a une lame, hein, mais vous pouvez couper votre vinyle, et quand vous avez ou votre thermocollant, et quand vous avez du smart, c'est bien de pouvoir avoir un massicot qui coupe ça, pour que ça soit droit, pour pouvoir le réutiliser, parce que si vous le coupez au ciseau, votre machine ne va pas avaler votre smart material. Donc il est pas mal, et en plus il est super léger, même si j'en ai, eh ben, là j'en ai un qui va me servir, ça c'est sûr. Ensuite on avait deux tapis verts, et ça les tapis verts, autant vous dire que on en use et on en réuse pas mal. Ceux-là, c'est des standards, donc ils sont vraiment pour le vinyle, le thermocollant, parce que dans la boîte il y a beaucoup de vinyle et de thermocollant. Le bleu, je rappelle, c'est pour le papier, et le violet, c'est pour tout ce qui faut, c'est l'adhérence forte pour tout ce qui est gravure ou des matériaux qui sont assez épais et qu'il faut qu'ils soient bien maintenus. Le standard, c'est pour tout ce qui est standard, et quand ils collent moins, ce que je fais, c'est que je les rétrograde, c'est-à-dire qu'un tapis vert qui colle beaucoup moins qu'à l'origine, eh bien, je peux m'en servir comme un tapis bleu et ainsi de suite. Et les violets, quand ils ont beaucoup servi, ben je m'en sers comme tapis vert jusqu'à ce qu'il ne colle plus du tout. Donc voilà, moi je rétrograde tout le monde et c'est très bien. Ensuite on avait un petit pack de stylos qui sont pour les makers et les explores. Donc là c'est la collection classique avec noir, rouge, bleu, vert et jaune en pointe 0,4. Oui. Alors en général, ils le mettent, bon là c'est marqué fine, parce que quand vous allez sur le Cricut Design Space, vous avez le FM et ça vous met fine 0,4. Donc là, vous avez ça aussi. On avait c'est du vinyle amovible, c'est du 30 sur 61, il y a trois feuilles. Alors il y a du corail, du bleu marine et du rose. Donc ça, ça sert toujours, honnêtement, vous les avez là, les couleurs, je ne sais pas si vous allez avoir le focus, mais on en a toujours, c'est de la collection Sugar Berry, donc en mat, et donc ça c'est de l'amovible, je crois que c'est le seul vinyle
Non, j'avais aussi celui-là comme vinyle. Et puis après, le reste, c'est du thermocollant. On a aussi les pailletés. Donc là, il y a 6 feuilles en 30-30, en doré, noir, un bleu que j'adore, violet, rose et argenté. Et vous les avez ici, je sais pas si vous allez le voir. Et les paillettes, j'adore. Donc ça, c'était les deux polos de vinyle. Et après, on passe au thermocollant, mais strong long, donc de longue durée. Il y en a plusieurs de Martha Stewart, d'ailleurs. Je vais les mettre ensemble. C'est ces deux-là, je crois. Voilà. Donc, il y en a un, c'est du rose pâle qui fait 30 sur 61, donc en rose. On avait de chez Martha Stewart aussi en strong band, donc longue durée, un Everyday I Raven en 30 sur 60, pareil. C'est du cuivre, mais qui est un peu shimmer, on va dire. Et j'adore. Qui peut vraiment aller avec ce strong band là, qui est couleur champagne. Les deux ensemble, on peut faire de superbes choses, je pense, en superposition de thermocollant. Donc je rappelle, c'est du thermocollant. Et là, il y a en champagne, en blanc et en noir. Donc je pense que des quatre couleurs ensemble, ça peut faire un super truc. Et donc c'est des feuilles de 30 sur 30 là aussi. Donc l'astuce que je vais avoir pour ceux-là, quand ils sont en 30 sur 30, c'est les dérouler et les aplatir, parce que c'est, honnêtement, c'est beaucoup plus simple quand c'est déjà aplati. Et ici on a en 30 par 30 également. Alors là, c'est vraiment le strong band de, donc l'Iron super flashy en rose fuchsia, orange, fluo, voilà, je cherche le mot, et c'est du rose fluo aussi, et du jaune fluo. Donc là, c'est vraiment pour faire des trucs peps pour l'été, et avec le petit cutie que j'adore. Donc celui-là, c'est couleur menthe, il va rejoindre ses petits copains, honnêtement. Donc dans ces box là, je vous mettrai le petit code qui marche toute l'année pour avoir 10% sur tout, toutes vos commandes chez Cricut. Elle était d'origine à 167 ou 177 euros, je ne sais plus. Et normalement, donc elle était à 67 euros. Donc on gagne 100 euros dessus quand même. Elle est pratiquement à 60, moins 60%, on va dire. Et avec les 10%, j'ai payé 56 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Et du coup, j'ai gardé mes frais de port gratuits. Donc, j'ai pas dû racheter un petit truc en plus pour avoir les frais de port gratuits. Donc, c'est nickel. Et honnêtement, bon, quand il y a le cutie, c'est réservé à celles qui ont l'accès, l'abonnement au Cricut Design Space. Et en général, maintenant, ils font plus vraiment que des mystery box avec le cutie. Je m'en rends compte. Mais là, honnêtement, j'ai de quoi faire. Ça va rejoindre tous mes thermocollants et mes vinyles. C'était l'occasion aussi de ranger un peu tout ça dans les tiroirs. Et après, je pioche de temps en temps dedans, mais je prends pas mal de mes chutes en priorité. Et après, je fais avec tout ça. Voilà pour ce qui était de la Mystery Box du mois de juillet. Aujourd'hui, on est lundi 10 juillet. Je crois, je sais pas. Je vais quand même regarder. Non, on est le 9 aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on est le 10. Honnêtement, hier, j'ai pas fait grand-chose. Hormis ramasser des fraises, j'ai fait aussi un petit mélange. Je vais vous montrer. J'avais reçu de chez Medita Cup des teapots en verre avec le bouchon en bambou. J'en avais un en forme de théière. Avec le filtre pour le thé en métal, je vous avais déjà fait des revues là-dessus. Et là, j'ai utilisé l'autre bocal à infusion, j'appelais ça comme ça, avec un gros filtre sur le bec verseur. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec hier. C'est encore bon aujourd'hui, il faut juste que j'enlève peut-être ce que j'ai fait infuser. Mais honnêtement, c'était la première fois que je testais et c'est super bon. Alors, c'est ce style de bocal. Alors, donc c'est en verre avec le bouchon qui est en bambou et en métal. Donc là, c'est CM Glass, la marque. Vous pouvez la retrouver sur Amazon. Et vous avez un filtre ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, comme ça peut-être.
qui permet, ben en fait, on infuse nos fruits et ça va être. Vous allez avoir que l'eau en fait. Après, si vous voulez de l'eau pétillante, vous mettez de l'eau pétillante. Et vu que dans mon jardin, il y a de la menthe et qu'il y avait une pomme là qui se battait en duel avec une autre, je dis pourquoi ne pas utiliser de la menthe et les pommes. Et j'ai mis de l'extrait naturel aussi d'orange pour faire mon petit mélange. Mes enfants n'aiment pas. Et moi, je trouve ça super bon. Bon, à part que là, c'est pas frais, c'est vraiment température ambiante. Mais honnêtement, c'est sympa. Regardez, ils n'ont même pas fini les fraises d'hier. Elles sont trop bonnes. Moi, je suis allergique, donc je ne peux pas les manger. Mais c'est vraiment dommage. Ils sont en train de me gaspiller tous les fruits. Mais il y en a encore plein qui sont en train de mûrir là. Je comprends pas. Bref, après ils vont me réclamer des fraises en commerce alors qu'ils en ont des bonnes du jardin. C'est les enfants d'aujourd'hui. Donc hier, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait un petit peu de jardinage parce que du coup, j'ai désherbé ben, là où il y avait la menthe. J'ai pu comme ça y planter mon. J'ai perdu le nom. Voilà. Je l'ai dit hier. Hier, je l'ai dit. Le mot. Ouais, ben non, c'est pas la peine, ça ne me reviendra pas. Ce qu'on a beaucoup en Bretagne, vous savez, là, qui a plusieurs couleurs en fonction de la couleur des minéraux du sol. Bleu, rose, violet. Ça va me revenir. Hein. Bref. Donc, j'ai désherbé tout ça et j'en ai profité pour planter mon petit pot que je vous ai montré. Comme ça, il va être avec ses copines. J'ai découpé mes cartes pour faire les stitch tie. Hein. J'ai au moins fait la découpe, mais je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je me suis embarquée dans autre chose. J'ai pas fait le live YouTube et je n'ai pas fait d'Artisan Academy. J'ai fait du Procreate et j'ai fait une vidéo. Ah oui, mais sur tout ce que j'ai reçu chez Cricut, la Mystery Box à la place. En parlant de Procreate, hier j'ai fait. Le tuto des dents de la mer des desserts d'Adélie. Et c'est très long, hein. Il y a à peu près 2 heures de tuto. Donc moi en général j'en mets le double. Parce que des fois elle accélère aussi un peu, mais après le temps que je mette les valeurs des bonnes couleurs, etc. Et puis moi je m'applique, c'est une horreur. Bref, j'ai fait juste l'esquisse et colorisé. Maintenant, il ne manque plus que les ongles, texture, la lumière, le fond à faire, etc. Donc, elle a encore pour une bonne heure de travail, voire 1 heure et demie. Et vu que c'était 20 heures à peu près, je dis, oh, et si je testais par moi-même aussi de faire un dessin Procreate, quand même. Parce que le but de faire des formations, ce n'est pas que de faire des formations, c'est aussi de créer. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et avec toutes les formations qui peuvent, les liens des formations que j'ai prises, qui peuvent peut-être vous intéresser. Et du coup, ben, je suis pas peu fière de moi quand même. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà ce que j'ai fait. Il est trop canon. Alors, c'est un petit ours, mais vraiment, j'ai même pas fait d'esquisse. J'ai rien fait du tout. Et il est comme ceci. Alors j'espère que vous allez le voir, ouais, vous le voyez. Donc je vous le montre un peu plus là, avec ma brush que j'ai créée aussi, Sandy Créa, c'est moi qui l'ai créée cette brush. Comme ça je peux signer mes petites illustrations et je l'ai trouvé trop mignon. Alors c'est un ours qui fait presque marmotte, mais bon. Mais j'ai mis 1 heure et demie pour faire ça quand même. Parce qu'entre les ombrages et tout, le petit fond qui est en dégradé, ben mine de rien, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Après j'ai rajouté un petit peu d'herbe aussi, mais je suis contente du résultat. Voilà, c'est bon, ma première illustration. Peut-être que je la ferai sur papier d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse de l'impression avec. Là c'est pas dans les couleurs, profil couleur impression, mais pourquoi pas le refaire si j'arrive. Mais ça peut se faire, je sais que je peux prendre le reprendre en photo ou le faire l'esquisse et après retravailler. J'aurai l'esquisse, j'ai plus qu'à retravailler avec les bonnes couleurs. Ça, c'est pas un souci. Donc voilà ce que j'ai fait hier, finalement, hier soir.
J'ai même pas regardé Netflix, vraiment, ça a été. J'ai coupé les branches aussi qui dépassaient et qui gênaient ma fille pour sa balançoire. On est toujours dans la balançoire. Après, je me suis un peu attaquée aussi aux chardons ardents qui ont repoussé. Il faut vraiment que j'ai l'outil hein, pour vraiment déraciner. Parce que ça pique même avec mes gants de jardinage. Ça traverse. Il faudrait que j'achète des gants MAPA. Peut-être que là, ça ne traverserait pas. Ça me pique. Donc, je ne peux pas les prendre comme ça et les déraciner. Parce qu'il faut que je les déracine. Parce que de les couper, ben, ça repousse forcément. Bref, ils m'ont un peu énervé ces chardons ardents. Parce qu'ils sont en train d'envahir ma lavande. Ils envahissent tout en fait. Donc voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo Procreate. Parce que j'ai fait un petit sondage en poste. Et la majorité ne veut pas de time-lapse ou de photos sur mes posts d'illustration Procreate. Donc, je n'en ferai pas. Voilà, parce que c'est comme ça. Je n'en ferai pas. Mais je vais faire quand même une vidéo Procreate pour celles que ça intéresse quand même. Parce que, voilà, je veux dire, mes vidéos, c'est pour mes abonnés, ok. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ça intéresse. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur des pieds au loft de chez Ikea qui n'a rien à voir avec du scrap. Et au final, elle cartonne cette vidéo parce que tout le monde se triture les méninges pour savoir comment ça fonctionne. Donc, je me dis que même des fois, il y a des vidéos qui pour moi paraissent pas terribles, enfin pas intéressantes du point de vue loisir créatif, mais qui fonctionnent parce que des gens cherchent ce type de vidéo. Donc, une vidéo Procreate pour celles qui cherchent ou pour ceux qui cherchent des avis sur Procreate. Donc, on va faire une vidéo sur ça, à ce sujet. Ensuite, je voulais faire une vidéo, mais sur ma chaîne secondaire, sur des codes promo. Après, si vous voulez que je vous fasse également même une vidéo, ou sinon, je vous mettrai le lien de ma chaîne secondaire, si vous voulez ensuite regarder cette vidéo. Et sur cette chaîne secondaire, je ferai des posts dès que je trouve un code promo intéressant. Bon, moi je vais plus baser sur le loisir créatif, mais si j'en trouve ailleurs, je mettrai des codes promo sur cette chaîne secondaire. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne secondaire parce que comme ça vous aurez les notifications de mes posts pour les codes promo. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aujourd'hui? Ben, il va falloir que je fasse une vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos pour une journée, je trouve. Mais bon, le temps est pourri. Je pense qu'il va pleuvoir. On va faire une vidéo sur mon stitched dies. Parce que tout est prêt. J'ai plus qu'à faire quoi. Hier, j'ai passé mon temps à découper, découper. Donc là, on va faire la vidéo. Je voulais appeler la banque, mais elle est fermée. C'est lundi, donc normal. Donc je rappelle que chez Cultura, à partir d'aujourd'hui, il y a des bacs fourre-tout où vous avez des produits Cricut rouleau en thermocollant, en smart, en vinyle. Il y a du smart label aussi à 5 euros le rouleau, donc ça vaut le coup. Allez faire vite un petit coucou chez Cultura parce qu'à mon avis, il n'y en a pas y en avoir pour tout le monde. Je pense que déjà c'est pas mal. Il faut que j'appelle, je vais appeler l'électricien. Il m'a laissé des messages, on se cherche mais on ne se trouve pas parce qu'il est dispo cette semaine et à la rigueur, parce que mon atelier là il est en stand-by parce qu'on attend les fenêtres. Donc il n'est pas hors d'ordre, donc on ne peut pas faire le placo, ni le reste d'ailleurs. Et ça sera juste la dernière semaine de juillet. Si tout va bien, qu'il y aura les fenêtres, donc ça fait quand même encore 15 jours sans avancer. Et je vais quand même lui demander s'il ne veut pas quand même refaire l'électricité de la buanderie, parce que j'ai envie de changer ma buanderie. Ça peut être que je ferai une vidéo là-dessus. Revoir la buanderie. Mais ça, c'est pour plus tard. Après, je vais vous parler d'autres choses.
Il faut que je poste ce vlog-là aujourd'hui si vous voulez avoir l'info que Cultura commence aujourd'hui sa promo. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire tout ça si j'y arrive. Et on se retrouve dans la semaine, puisque je suis en vacances, pour un autre vlog où je vous parlerai d'un autre projet. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!